Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose ce titre de blues rock du groupe The Black Keys. Alors, certains d'entre vous connaissent sûrement déjà ce groupe, un groupe américain, formé en 2002, classé plutôt en garage rock ou en rock alternatif ou encore en blues rock. Et là, donc, il s'agit du titre Sister, extrait du 7e album de 2011. Voilà, donc le groupe compte déjà 12 albums à son actif, c'est quand même incroyable. Enfin, incroyable. En même temps, ce groupe a déjà donc 22 ans. Voilà. Alors, merci Thierry et Eric de m'avoir fait connaître donc ce titre, hein, pour l'avoir un petit peu ébauché, un petit peu travaillé la semaine dernière avec Thierry à la basse. J'ai beaucoup aimé, moi, la sobriété de ce titre. Effectivement, à la première écoute, on se dit « Ah, enfin un truc super clair, super épuré ». Voilà, et alors, comme vous le savez, bien sûr, il y a toujours moyen de faire la cover vraiment aux petits oignons, hein, pour ceux qui veulent vraiment le truc fidèle à l'original, au détail près. Alors là, pour ça, bah, il faut apprendre par cœur la tablature. Sinon, on peut aussi faire la cover, mais... Alors, j'ai failli dire, plus intelligemment, en fait, les deux sont très bien, les deux modes sont vraiment bien. Savoir faire un truc par cœur, au détail près, c'est quand même vachement bien, des fois, voilà. Mais c'est vrai que la piste, plutôt de retenir les grandes lignes des trois parties qui composent le morceau, c'est une piste vraiment, intelligente, parce que on est dans l'autonomie. Hein, une fois qu'on a compris, ah oui, ça c'est l'intro, ça c'est le couplet, voilà, refrain, ben, finalement, on se situe. Et on peut très bien jouer ces parties en les ayant, bon alors bien sûr quand même apprises, intégrées, mais pas forcément avec tous les détails. Comme ça, on est truffé dans la partie basse. Donc ce tuto rentre dans deux de mes playlists, hein, c'est la 18e full chanson, mais c'est aussi donc le deuxième double tuto, car on verra aussi la partie basse. Voilà, donc aujourd'hui on va voir toutes les parties d'accompagnement, guitare, basse, et en dernier lieu on verra le solo de guitare. Je rappelle que l'on peut me commander la tablature pour 5€, payable par lien SumUp. Hein, c'est comme un achat par carte bleue, si vous voulez. Et vous recevez donc cette tablature au format PDF, pour ceux qui n'ont pas Guitar Pro, mais surtout Guitar Pro. Voilà, et c'est quand même, c'est vrai que pour bien bosser les trucs, Guitar Pro, c'est quand même archi complet. En tout cas, cette tablature est bien faite. On a aussi la batterie, la basse, enfin, il y a vraiment tous les arrangements dedans. Et bien sûr, on peut ralentir le tout pour travailler plus lentement. Voilà, donc demande de tablature par mail à fujiprod@yahoo.fr. Comme d'habitude aussi, vous trouverez les backing tracks en fin de vidéo. Et là, oui, j'ai bien dit les backing tracks, car il y aura le backing track avec la basse, pour ceux qui ne tiennent pas à faire la partie basse. Et il y aura aussi un backing track, alors là, carrément, batterie chant, hein, donc sans basse et sans guitare originale.
qui vous permettra donc de tout refaire à la maison si vous en avez envie. Alors si vous êtes prêts, on va attaquer tout de suite ce double tuto. Alors comme d'hab, on va procéder dans l'ordre des parties. Vous verrez quand vous aurez pris connaissance des enchaînements d'accords, des grilles, des trois parties de ce morceau, qu'en fait, cette intro correspond à ce que j'ai appelé sur la tablature le pré-refrain. Alors c'est pas joué comme au pré-refrain, mais ça a les mêmes durées et les mêmes enchaînements d'accords. Alors ça va commencer en mi mineur, hein, accord que vous connaissez bien, mi mineur en forme de la mineur, donc barré 7e case avec cette forme de la mineur. Ok, mi mineur donc naturel. Ok. La rythmique d'intro va être déjà constituée de croche, et là donc on attendra le et du 2 pour passer sur le deuxième accord qui est un mi 7 sus 4. Or, en gros, il s'agit d'aller appuyer le petit doigt sur la 10e case de la corde de si. Alors, faut pas pour autant retirer la 8e case appuyée par le majeur sur la corde de si, car on va revenir tout de suite à la forme de mi mineur. Ok? Donc là, j'ai mi mineur. Sur le et du 2 que je vais jouer en haut, ben je pose donc le petit doigt en 10e case corde de si. Ok? Mi 7 sus 4. Et je reviens ensuite sur le 4e temps, rejouer un mi mineur normal. Ok? Donc cette première mesure joue ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors bonne nouvelle, la deuxième mesure va être exactement pareil, un ton plus bas. Donc là on va être en ré mineur, barré 5, forme de la, et on va faire exactement la même opération sur le et du 2, on passera donc, on augmentera d'un ton la corde de si. Ok, donc faut déployer, si je peux dire, le petit doigt qui était appuyé sur la corde de sol, et l'appuyer cette fois-ci en 8e case, sans défaire la position du ré mineur. Ok, donc voilà, je vous dis, ça va être le même schéma, ça va faire 1, 2, 3, 4. Ok. Donc les deux mesures enchaînées donnent ça, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors il faut faire le tout deux fois, donc ça va déjà occuper 4 mesures. On a tout ça, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, deuxième, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là on va rejoindre, donc on est arrivé en La mineur, hein, position du La mineur open que vous connaissez. Et là, donc, même jeu, hein, même idée, en fait, on va augmenter la corde de si pour passer donc en la sus 4. Bon, sauf que ça donnera pas un la 7 sus 4, car là, on va pas, en fait, on n'est pas obligé de libérer le doigt de la corde de sol pour aller appuyer la corde de si. Donc, la corde de sol reste appuyée dans ce cas-là. Et donc, au moment où j'appuie ma troisième case de la corde de si, bah, j'ai toujours une base de la mineur et pas de la mineur 7. Bon. Ok? Donc ça, c'est plutôt un la sus 4 et pas 7 sus 4. Il aurait fallu qu'il soit comme ça. Avec la corde de sol ouverte. Voilà, ça existe aussi. Bon, en gros, donc, en la mineur, il va jouer le même motif. La mineur sur le premier temps, puis le la sus 4 sur le et du 2, et sur le quatrième temps, retour au la mineur. Je vous dis, c'est vraiment le même schéma. Ok, alors toute l'intro donne ça. 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 3, 4. Je reviens en mi. Deuxième ré mineur, et on va en la. Ouais. Donc ça fera 4 mesures de la à la suite de nos 4 mesures mi, ré, alterné. Ok, donc durée totale de l'intro, 8 mesures. Alors un petit détail au niveau du riff lorsqu'il est joué en la mineur ici. En gros, c'est vrai qu'on entend, mais je sais pas si c'est très 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 volontaire ce truc. On entend un peu ça. Ok, comme s'il y avait 4 et 1. Ok, avec ça. 4 et 1. On entendrait comme ça les cordes ré et sol à vide. Alors c'est un truc qu'on devine, effectivement on l'entend un petit peu, mais je sais pas vraiment si c'est volontaire. En tout cas, ce n'est pas attaqué. Donc c'est pas la peine de... Hein, ça c'est vraiment le genre de bruit normalement naturel qui fait certainement en soulevant les doigts comme ça, de la main gauche. Voilà. Et donc, voilà, on va avoir une petite présence de... Peut-être de cordes à vide. Hein, sans non plus chercher à faire des pull-off hyper sonores, quoi, c'est vraiment... Voilà, là, celui-là était pas mal, il était assez naturel. Ouais. Voilà, là on entend un léger et du 4. En tout cas, si on les gratte, si on les attaque, on va avoir un truc trop amplifié, et ça pourrait faire un petit peu la version du pauvre, quoi, la version un peu exagérée, quoi, un peu mal faite. Donc attention à ce truc-là, n'allez pas jouer 1, 2, 3, 4... Voilà, ça c'est un peu bourrin. Voilà, il vaut mieux le suggérer. Ok. Alors à la suite de cette intro de 8 mesures, on attaque le premier couplet, ce qui est logique. Alors, la mineur, et là ce sera exactement le riff joué de la même façon qu'à l'intro.
Donc deux mesures de la mineure pour commencer, je vous le dis tout de suite, suivi de deux mesures de ré mineur, exactement joué aussi en mode intro. Un autre petit détail que je vous signale aussi, comme ça après on sera tranquille pour tout le titre, effectivement, avant le et du 2 du riff principal, hein, déjà dès le début, même en mi, ici vous avez vu, j'ai fait un petit bruit, un petit schlack sur le 2. Alors en fait ça aide la mise en place, moi je trouve, c'est plus stable, et surtout ça remplit un petit peu la mesure, parce que c'est vrai que si on joue que les accents, on a 1, 2, et 4, 1, et 4, c'est quand même très très un peu too much vide, donc on va le remplir un peu plus. Il y a moyen donc de mettre une ghost note, une croix, un coup de corde bloqué donc sur le 2, et peut-être aussi sur le et du 4. Donc 1, 2, et 3, 4, et... pas mal ça, ok? 1, 2, et 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, et... Hein, c'est déjà un peu plus fourni et un peu plus groovy. Alors, récap de ces 8 mesures d'intro au tempo original, 115 BPM. On est parti, 1, 2, 3, départ en mi mineur, 2, et 3, 4, et ré mineur, 4 et 1, 2 et 3, 4. En arrivant là pour 4 mesures, pardon. Encore 2. Ok. Voilà, et le couplet va rentrer ici. Alors le couplet commence par 2 mesures de la mineure jouées exactement de la même façon que l'on vient de faire, suivi de 2 mesures de ré. Donc je vous dis, tout pareil, vraiment en mode le même jeu qu'à l'intro. Voilà. Et ces 4 mesures vont se répéter une deuxième fois. Donc c'est super, on a déjà les 8 premières mesures de couplet. C'est parti, 3, 4, 1, 2, et 3, 4, 1, 2, et 3. Passe en ré, 2, et 3, 4, 1, 2, et 3. Le tout une deuxième fois, 4, 1, 2, et 3, 4, ré mineur. Voilà, 8ème mesure ça. J'arrive en mi mineur, ici, donc alors j'ai appelé cette partie pré-refrain. Ici, on a une mesure de mi mineur jouée vraiment en noir. Mi mineur, le même qu'à l'intro. 1, 2, 3, 4, puis une mesure de ré mineur. On revient en mi, pareil, joué en noir, et à nouveau. Je suis un peu rapide là, je pense que je suis au-delà de 115. Bon, à vérifier. Après ces 4 premières mesures de pré-refrain, on termine par 2 mesures de la mineur. On récupère encore une fois le riff. Donc, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 1. Ok ? Alors dans la construction du titre, on rejoue tout de suite un couplet. Donc on enchaîne avec tout de suite le deuxième couplet, suivi du deuxième pré-refrain. C'est à la suite du deuxième pré-refrain qu'on va rentrer dans le refrain que je vous montre tout de suite. Alors moi pour ce refrain, je trouvais pas mal de changer un peu de son de guitare. Effectivement, sur l'original, j'entendais un truc peut-être plus criard ou peut-être doublé, je sais pas. Donc moi je conseillerais bien de passer en micro aigu, micro chevalet on dit aussi. Donc pour jouer cette partie de refrain. Un refrain assez épuré, moi je sais qu'au début j'ai eu un peu de mal à me dire mais c'est vraiment ça quoi. En gros, sur les deux premières mesures, il joue que le premier temps en la mineur. Il fait ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et ensuite, alors ok, il charge un peu plus, mais vraiment ça me faisait un peu bizarre ce truc-là. J'ai vraiment vérifié en écoutant les guitares toutes seules, bon, c'est ce qu'il fait. Par contre, sur scène, il remplit plus. Il fait pas que ça sur scène. Bon, bref, on s'en tient à la version album, donc on a bien à chaque fois le premier temps en la, donc ça c'est déjà nos deux premières mesures de refrain. Et ensuite, on récupère en ré mineur pour une mesure le schéma de riff habituel. Donc 1, 2, et 3, 4, ok, ça vous connaissez. Ah, vous pouvez mettre le petit et du 4. Mais en même temps, on s'en va ici, puisqu'on va aller chercher le fa. Alors, on peut très bien faire un fa barré. On pourrait faire un fa comme ça, avec la basse au pouce. Voire pas de basse. Bon, peu importe. Cette mesure est la quatrième mesure du refrain. Et le fa ne dure qu'une mesure. Donc on a bien... Il se joue en noir. Donc 1, 2, 3, 4. Ok ? Alors si on fait déjà ces quatre mesures de refrain, on a tout ça. 1, 2, 3, 4. Attention. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Passe en ré mineur. 1, 2, 3, 4, puis les 4 temps à fa. Ah oui, alors ça se répète une deuxième fois. Ça tombe bien. 1, 2, 3, 4. Oh ! J'ai failli oublier, enfin voilà, j'ai failli pas passer en fa. Alors ensuite, on va avoir une sortie de refrain. Pour l'instant, on en était à 4 mesures. Et là, on va rajouter une mesure de mi mineur en mode noir plaqué. Donc 1, 2, 3. Une mesure de ré mineur. Donc je vous dis, c'est là que ça ressemble un peu à ce qu'on avait à l'intro. Mais en ré, il joue le riff. 1, 2, 3, 4. Il revient en mi mineur, joué 4 noirs. Puis à nouveau en ré, en quatrième mesure, donc joué le riff. Et là, on va sortir ensuite en la mineur. Donc là, on était à 12 mesures jusque-là. Et on rajoute 2 mesures de la mineur pour vraiment pour conclure ce refrain, la mineur, en mode riff. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok ? Voilà.
À cet endroit-là, donc à la sortie de ce premier refrain, on rentrera dans l'accompagnement du solo, qui en fait est un accompagnement de couplet. Voilà. Alors avant ça, petit récap de tout le refrain. C'est parti. 1, 2, 3. Deux fois, premier temps en la mineur. 4 et 2, 3. Riff en ré mineur. 2 et 3. 4 temps en fa. Deuxième tour, pareil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Riff en ré mineur. 2 et 3. 4. 4 temps en fa. On va en mi. 2, 3, 4. Ré, riff. Mi. 2, 3, 4. Ré, riff. Et deux mesures de la pour sortir. Là aussi, je dois être un peu au-dessus de 115. Donc voilà, faut pas s'emballer. Cette partie se joue vraiment de façon posée. Hein, vraiment. Voilà. C'est un peu la difficulté du morceau d'ailleurs. Alors on arrive à la partie d'accompagnement de solo. Donc là, je vous disais, hein, vraiment, ça commence comme un couplet. Deux mesures de la. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Suivi de deux mesures de ré mineur. Après ces quatre premières mesures, on va alterner une mesure de mi mineur, une mesure de ré, et deux fois de suite, mais en mode noir. Donc là, il n'y a pas plus de détails, même en ré mineur. On est sur 1, 2, 3, 4, ré mineur, pareil. Et on y retourne. Ok, voilà, on termine. Voilà, donc tout l'accompagnement de solo a donné ça. Attention, à partir du la mineur, riff, 1, 2, 3, 4, 2. Passe en ré pour deux mesures. Ok, et là on va directement en mi mineur, tout le monde plaqué en noir, deuxième mi mineur, deuxième ré mineur, et on sort. Et là ça nous emmène à l'entrée du troisième couplet, troisième et dernier couplet. Ce troisième couplet nous amènera tout naturellement au deuxième refrain, et à la suite du deuxième refrain, on rentrera déjà dans la fin du morceau. Alors le deuxième refrain sera totalement similaire au premier refrain, mais attention, la petite feinte, là, on pourrait se tromper dans la structure. Ce deuxième refrain et dernier refrain, qui va, donc encore une fois, qui va nous enchaîner sur la fin du titre, se termine par 4 mesures de la mineur au lieu de 2. Et ensuite, j'attaque le schéma d'un couplet qui commence par 2 mesures de la mineur. Donc je vous dis, c'est là qu'il y a moyen de se tromper, en ne respectant pas ces 6 mesures de la mineur. Ok, voilà, c'est pas 4 mesures, c'est 6 finalement en tout. Hein, normal, 4 pour sortir du refrain. Deuxième. Troisième. Quatrième. Plus 2. Couplet. Enfin, couplet. Il chante pas, mais... Ok, on va avoir deux fois cette alternance. Ré mineur, la mineur. Voilà, là je suis au deuxième la mineur. Je fais mon deuxième ré mineur. Et là j'ai fini avec... avec un accord de la posé sur le premier temps de la fin, quoi, de la toute dernière mesure. Voilà, alors je vous propose pas un récap de toute la guitare rythmique, car on a pas mal de pain sur la planche là, il faut voir la basse et ensuite le solo. Alors à tout de suite pour la partie basse, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Alors là j'ai préféré prendre une autre basse, un peu plus précise que celle que j'utilisais pour le jam along. En fait, l'autre elle avait une meilleure gueule, elle avait une gueule plus ancienne, voilà, je me suis dit tiens c'est plus raccord avec le groupe. Cela dit, on fait pas vraiment ce qu'on veut du son, de l'autre guitare, qui est en fait une copie d'une petite marque, et qui est une vieillerie aussi, des années 70. Alors nous voilà bien munis, donc avec cette Fender Jazz Bass. D'abord, je vais vous parler un tout petit peu du son du morceau, parce qu'au départ, j'ai cru que c'était joué au doigt, donc en buté, et peut-être d'une façon un petit peu piquée. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il n'y a aucune durée sur ces notes. Hein. Alors, on a un la aigu ici au début de la ligne de basse, et on n'entend pas des notes pleines, on n'entend pas des croches comme ça. Hein, c'est vrai que... on entend en fait ça à plus. Voilà. Donc ça, c'est déjà un peu plus fastidieux à faire. En gros, je réappuie la note à chaque fois. Pour qu'elle ait un son court. Alors, en effet, on peut dire que ça, c'est presque une règle générale, hein, valable aussi en guitare. Finalement, la durée de la note, c'est la longueur de l'appui du doigt. Si je reste appuyé, j'ai une note longue. Dès que j'arrête d'appuyer, j'arrête la note. Ok ? Donc on peut aussi arrêter la note avec la main droite. On peut faire... ça, à chaque fois que le prochain doigt qui va jouer touche la corde, finalement, il peut arrêter le son. Voilà, donc on pourrait réussir cette ligne de basse, commencer comme ça, donc, en réappuyant à chaque fois toutes les notes. Ouais, sur le E du 4, on passe par le ton inférieur. Puis ensuite, on va faire le même schéma, ici, en Ré, pour deux mesures, qui passera par le Do. 3, 4, et... Voilà, on pourrait faire ça en buté, mais ça risque d'être un petit peu physique, un petit peu fatigant pour le morceau. Et en fait,
pour avoir vu des extraits de live, c'est jouer au Mediator. Voilà. Donc, alors désolé pour les puristes de la basse, hein, qui préfèrent vraiment jouer de la basse en butée, je sais, Thierry, voilà, désolé. La vérité pour ce morceau, on a plutôt un Mediator en allée stricte, et même un son de palm mute. Ok, le palm mute, donc là, c'est exactement comme en guitare, c'est la paume de la main au départ des cordes. Alors là, au départ, c'est un grand mot, parce que si je suis totalement au départ des cordes, j'ai la main sur le chevalet, et là, c'est peut-être un peu... Je suis quand même sur une fréquence très aiguë, il y a beaucoup de tension à cet endroit-là. Donc j'avance quand même un peu sur les cordes, en essayant de garder de la note, c'est là qu'il ne faut pas avoir trop d'étouffement. Voilà. Et là, ce son-là commence à me parler. Alors si vous n'aimez pas trop le son de Mediator, en plus dans ce morceau, c'est vrai qu'on n'entend pas spécialement des attaques plastiques. Hein, des fois, on entend le Mediator, et c'est même voulu. Voilà, il y a des groupes qui se disent « Ah si, on veut bien entendre la grosse attaque, toc, 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 toc. » Bon, ben là, non. C'est vrai qu'on n'entend pas. Voilà, donc on pourrait déjà enlever carrément, fermer les aigus, pour avoir un truc déjà plus mat, plus sourd. Voilà, et après, je vous dis, c'est un peu ce compromis, donc... Même au jeu, au Mediator, on peut piquer les notes à la main gauche. On peut y aller comme ça. Ok, donc en additionnant le palmute. Voilà, donc là, ça va commencer à être très 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 contrôlé. Et même, on aura bien ce son un petit peu étouffé. Alors, je vais commencer à rentrer dans la partie du couplet. D'ailleurs, il n'y a pas de basse à l'intro. Voilà, donc ça, c'est la bonne nouvelle. La basse arrive avec le chant du premier couplet. Alors, je vous joue les quatre premières mesures. Donc ça démarre en La aigu, hein, la septième case de l'accord de Ré. 1, 2, 3, 4... 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et passe en Ré, passe par le Do, et là, ok, la petite montée. En quatrième mesure, en deuxième mesure de Ré, on joue pendant 3 temps et demi la note Ré, 1 et 2 et 3. Sur le et du 3, je passe par la note 7, ok, le petit Mi. Puis ici, j'organise un chromatisme, donc sur 4 et... Ok, je passe par les cases 5-6 de l'accord de Ré. Donc en dernière mesure, j'ai ça. 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok ? Ces quatre mesures vont se répéter une deuxième fois. Alors, sauf, mais là aussi on pourrait s'en foutre. La deuxième fois, la quatrième mesure, n'a pas de détail chromatique. Il n'y a pas de... Et la deuxième fois, on reste 8 croches en Ré. Ok, une mesure pleine, sans quoi que ce soit. Alors, c'est pas dur à faire, c'est juste... un peu pénible à retenir toutes ces exceptions. C'est ça qui prend du temps, en fait, pour retenir tous ces détails. Ok, récap de ces 8 mesures de couplet. Attention, 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Passe en Ré, passe par le Do. Chromatisme. Et 2, et 3, et 4. Donc là, c'était la symétrie. Voilà. Et là, vous avez vu, sauf donc la deuxième fois, la quatrième mesure ici, je suis resté sur 8 croches en Ré. On arrive au pré-refrain qui, bien sûr, comme les guitares, va jouer la même grille, heureusement. Donc on a une mesure de Mi, alternée par une mesure de Ré, puis on revient faire une mesure de Mi et encore une mesure de Ré. Donc là aussi, il n'y a aucune difficulté, à part de retenir tous ces petits détails. Alors la première mesure de Mi joue d'abord que des croches, puis sur le quatrième temps, on va aller chercher la tierce mineure. Alors on était là, 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors on aurait pu la prendre aussi ici, en dixième case. Mais en fait, non. En fait, on cherche à rester plutôt groupé dans la même zone, et ensuite on va descendre en Ré. Hein, ok, donc je choisis la tierce mineure ici, en cinquième case corde de Ré. Et ça, c'était joué sur le 4 et. Ok, donc avant ça, on a eu 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, les trois premiers temps en Mi. Alors dans la deuxième mesure de pré-refrain, on a un découpage un petit peu particulier, mais vraiment qu'il faut savoir faire en rock, quoi. Ça arrive souvent. Je vous donne cette mesure, donc elle fait Ré, Do, Ré. En gros, dans la même mesure, elle fait... voilà, et ensuite on ira rejoindre le Mi ici. Donc là, ce sera sympa même de faire carrément peut-être ces notes-là avec les doigts 1 et 3, ou même 1 et 2, car ensuite, à un moment, on va avoir l'enchaînement 5, 6, 7. Bon. Mais avant ça, il y a une petite feinte rythmique, si on peut dire, de découpage. Vous savez, quand on joue trois croches, ok, trois croches de chaque note. Alors c'est bizarre, parce que vous allez me dire, bah oui, mais il y a 8 croches par mesure. Et justement, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et oui, si on en fait 3 en Ré, 3 en Do, on est déjà à 6 croches, plus le petit chromatisme Ré, Ré dièse. Donc ça nous fait bien ce total de 8 croches. 1 et 2 et 3 et 4 et... On arrive à la troisième mesure de ce pré-refrain. Là, on reste en Mi pendant 8 croches. C'est vraiment 1 et 2 et
et 3 et 4 et... On arrive à notre quatrième mesure du pré-refrain qui va rejouer la note Ré pendant 2 temps et demi. Et sur le et du 3, alors là il est indiqué un passage en slide en 8e case de l'accord de La. Donc ça devrait faire ça. 1 et 2 et 3 et... Ok, slide 8. Pour finir ensuite, 4 et, comme tout à l'heure, sur les cases 5-6 de l'accord de Ré, sur le et du 4. Mais moi, je suis pas certain d'entendre une huitième case sur ce et du 3, de quatrième mesure. Donc, j'ai mis plutôt une septième case. Donc, j'ai fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors, le plan du morceau, bien sûr, est le même que pour les guitares. Donc, à la suite de ce premier pré-refrain, on va au couplet 2. Alors, là, bonne nouvelle, zéro changement. Vraiment, le couplet 2 est exactement similaire. On dirait un copier-coller du couplet 1. Deuxième bonne nouvelle, le deuxième pré-refrain sera aussi similaire au premier. Ok ? Donc, on arrive à la partie de refrain. Alors un refrain très très linéaire, très très épuré on va dire, qui commence par deux mesures de La, dans lesquelles il n'y a pas d'événement spécial à signaler, hein, donc là on est vraiment en croche. Si, on peut dire que le son qui était pendant tout le couplet et le pré-refrain un petit peu contenu, hein, comme on disait en début d'observation de la basse, avec ce son donc très amorti, très piqué, très court, les notes très courtes, au refrain on peut ouvrir un peu plus le son. Hein, donc voilà, je ne vous dis pas de jouer hyper sonore, mais on peut avoir des notes plus longues. Et donc je commençais à vous dire, ça commence par deux mesures de La. Donc on a ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite je passe en Ré pour une seule mesure et je terminerai en Fa, en 8e case de l'accord de La. Ok, pour une mesure également. Donc l'enchaînement Ré-Fa va donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ah, alors en bout de mesure de Fa, vous avez vu, sur le Ré du 4, bah, j'ai réutilisé ce cliché qu'on entend plusieurs fois dans le morceau, en fait presque à chaque fois pour rejoindre la note Mi. Finalement, il l'amène par ce petit chromatisme donc qui part tout le temps d'un quatrième temps, 4 et. Ok ? Voilà. Donc, récap de ces quatre premières mesures de refrain qui ensuite tourneront une deuxième fois de façon identique. On y va. 1, 2, 3, 4. La aigu. 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Passe en Ré. Et en Fa avec option et du 4. 2, 3, 4, 1. Ah, j'avais un petit doute, dans la dernière mesure, enfin le deuxième Fa, dans la huitième mesure de refrain, ici il n'y a même pas le chromatisme, il n'y a même pas 4 et. Ok, hein, ici ça reste vraiment pendant 8 croches, hein, toute la mesure en Fa, huitième case. Ensuite on a la sortie de refrain qui va jouer une mesure de Mi, une mesure de Ré, une mesure de Mi, une mesure de Ré. Dans la première mesure de Mi on a ça. Ok, donc premier temps sur la note Mi, septième case, 1 et là je passe par la tierce mineure, la même que tout à l'heure. Sur le deuxième temps, et sur le et du 2, je retrouve mon mi. Ok, donc 1 et 2 et, puis le troisième temps reste en mi, et je termine encore sur le quatrième temps par cette relance, si on peut dire, donc 4 et, ok, par la tierce mineure ici. Donc toute cette mesure, je joue ça 1 et 2 et 3 et 4 et. Ensuite, je descends d'un ton, je vais aller jouer le même motif, en tout cas en début de mesure, en ré, donc ré, pour deux croches, je passe par la tierce mineure du ré ici. Troisième case, corde de Ré. 1 et 2 et. Je reviens en Ré. Alors j'arrive au troisième temps où je joue le Ré encore sur le 3. Et ici, je vais passer par le La à vide. Tiens, ce sera la note la plus grave du morceau. 3 et. Ok. Et sur le 4 et, je passe par Do, Ré. Ok, donc 3 et 4 et. Voilà. Donc si je reprends depuis le début de ce cycle de sortie de refrain. 1 et 2 et 3 et 4 et. Il reste deux mesures, une mesure de Mi avec seulement des croches, donc 7e case, 4 et. Et la dernière mesure, alors on pourrait compter pareil, hein, 8 croches en Ré, mais là on a à nouveau la petite feinte 7 ou 8, ça dépend des préférences, qui part en tout cas du et du 3, hein, qui va faire et 4 et, donc le fameux et 4 et ou et 4 et. Ok ? Donc cette dernière mesure en Ré donne ça 1 et 2 et 3 et 4 et. Avant de récupérer nos deux mesures de La mineure qui vont jouer, alors, dans la première mesure, le La aigu, en mode couplé, si on peut dire, avec le et du 4 en Sol. 1 et 2 et 3 et 4 et. Alors que la deuxième mesure de La devrait jouer ça. 1 et 2 et 3 et 4. Ah, vous avez vu, alors là, cette fois-ci, j'ai joué deux fois la note, un ton avant, donc et 4. Donc depuis le et du 3, bon, ben, là, je suis passé par le Sol, et 4 et. Et sur le et du 4, j'augmente d'un demi-ton. Donc ça, c'était comme d'habitude, hein, les cases 5 et 6.
Par contre, la nouveauté, c'était d'avoir à jouer sur le et du 3, déjà un premier sol, hein, d'avoir et 4 et. Voilà. Pour tout vous dire, ça, moi, je l'avais complètement zappé, j'ai même pas remarqué qu'il y avait ça, en fait. Donc, je l'ai carrément pas fait dans le jam along. Voilà. Alors là, on aurait déjà fini le travail à la basse, étant donné que ça va être que du redit de partie, à chaque fois. Hein. Le solo qui va arriver, là, s'accompagne en mode couplé, vraiment exactement avec les mêmes éléments. On va accompagner le solo de guitare, donc qui est un accompagnement de couplet, etc. Juste, faudra pas oublier les 4 mesures de sortie du deuxième refrain, avant de jouer quand même les 2 mesures de là, d'un couplet qui sert de fin. Ouais, je veux pas vous embrouiller, mais voilà. En gros, il y a les 6 mesures de la mineure avant la fin. Voilà. Sinon, je vous dis, on a fait le tour des parties basses. Donc, je vais aller reposer la basse, et on va tout de suite s'attaquer au solo de cette chanson. Alors, pour ce solo, j'ai mis une pédale de fuzz, et j'ai retiré la reverb, hein, pour avoir un truc très... pas grandiloquent, si vous voulez, pour rester dans l'esprit un petit peu garage. Hein. Donc, on a un truc très... comme ça. Donc, le son plutôt fuzzy. Sinon, il y a un truc quand même à dire sur ce solo. En fait, on tombe un peu à côté de l'esprit si on met trop d'expressivité. Alors, autant, j'arrête pas de vous dire tout le temps, ah ouais, on peut tout le temps, dès qu'il y a des notes longues, dès qu'on a le temps de faire des vibratos main gauche. En fait, là, pour ce solo, en tout cas, non. C'est vraiment pas trop le cas. On n'est pas dans de la guitare blues hyper expressive, très, très interprétée. Au contraire, alors, c'est pas du tout péjoratif, mais il y aurait un petit peu, comme des fois dans des groupes anglais, des musiciens plus jeunes, un toucher un petit peu débutant. Voilà, je dis pas ça pour me faire des ennemis, mais voilà, il y a ce petit côté un peu naïf, peut-être même revendiqué, quoi, je veux dire cultivé. Mais voilà, il y a ce truc pas frime du tout. Hein. Comme effet, il y a très peu de bend. Il y a un bend à la fin. Il y a des hammers sur le temps. Alors celui-là, il n'est pas sur le temps. Celui-là, par exemple. Ok, donc là, voilà, là on enveloppe la note. Mais il n'y a pas beaucoup de... Ouais, il va pas là-dedans, quoi. Plus loin, il va refaire un hammer sur le temps, ici, quand il fait... Voilà, ici. Voilà, par contre, on n'est jamais, je vous dis, dans le vibrato, l'expressivité... Voilà, il va pas là-dedans. Alors, ce solo commence en sortie de premier refrain, dans la deuxième mesure. Hein, je vous disais, le premier refrain sort par 2 mesures de la mineure. Et là, on est sur le « et » du troisième temps. Alors, c'est même un « et » doublé, hein, c'est l'empreinte 3-4 double croche sur ce hammer. Ici, on a sur la corde de ré 5-7, donc 1, 2, 3, 3, 4. Okay, voilà, ça c'est vraiment la petite amorce. Et ensuite, on va jouer 2 croches pour le quatrième temps de cette dernière mesure. Ok, là, je suis passé vraiment de façon pentatonique. Oui, on l'a pas dit, bon, là, on est en la mineur pentat. Première position. Donc, voilà, il y avait le hammer de 2 notes de la corde de ré, en forme rapide, hein, double croche 3-4. Puis ensuite, on rejoint le 4 et sur les notes 5-7 de la corde de sol. Ok, donc 1, 2, 3. Alors ensuite, on arrive au premier temps de ces 8 mesures de solo. Et là, on va aller chercher en slide la 9e case de la corde de sol. Donc on aura eu, depuis le et du 3, 1, 2, 3. Je redescends d'un ton jouer la 7e case sur le et du 2 de cette même mesure. Donc. Voilà, ici, vous avez vu, je fais le petit effet. Donc là, je suis arrivé en premier temps de 2e mesure de solo, avec, en fait, répétition de la 7e case corde de sol, mais enveloppé par ce petit... Ok, ce hammer sur le temps, une appoggiature sur le temps, si vous voulez. Dans cette 2e mesure, je vais également jouer une note. Alors là, ce sera la 5e case, un ton plus bas, sur le et du 2. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 2, 3. Je vais retrouver exactement la même empreinte rythmique dans cette 2e mesure, avec même les mêmes notes, donc sur le et du 3, comme on a commencé ici. Et cette fois-ci, j'irai en 8e case, corde de si. Ah, là, je fais un petit vibrato. Je vous dis, lui, il n'en fait pas, en tout cas. Hein. On a bien... Ok, voilà, ça va vraiment y aller comme ça. J'arrive au premier temps de la 4e mesure, avec la même figure que tout à l'heure, hein. En gros, un hammer sur le temps pour répéter la note 7, ici. Et sur le et du 2, à nouveau la 5. Et là, dans cette 4e mesure, on va ajouter les notes 7, 5, 7 sur l'empreinte et 4 et. Donc, récap de ces 4 premières mesures, on a tout ça. 1, 2, 3. Alors,
mesure 5, je repars de la note 7, corde de sol, toujours, sur 2 noirs, donc. Donc là, je passe par la 8e case, corde de si, pour jouer 3 et 4. Ok ? Donc, depuis le début de la mesure, j'ai 1, 2, 3 et 4, petit silence. Et là, j'attends le et du 1 pour jouer cette figure-là. Alors là, j'ai un hammer sur le temps, 8, 10, corde de si. Vraiment, sur le temps. Ok, donc, 1, 2, 3 et 4, 1, et. Alors ça, c'est vachement important d'être en place là-dessus, 1. Ensuite, ce sera des doubles croches. Ici, je vais faire un pull-off pour faire apparaître la 8e case. Et surtout, alors ça, c'était une deuxième double croche du 3e temps. Et surtout, juste après, je joue en 3e double croche la 9e case corde de sol. Ok, donc, voilà, ça, c'est assez important. 1, 2, 3 et 4, 1, et. 2, 3, si vous voulez. Ensuite, il reste 4 croches dans cette mesure sur les notes 7, 5, 7, 5 de la corde de sol. Ok. En mesure 7, je jouerai exactement comme ce qu'il y avait à la mesure 5. Donc. Et là, la sortie va changer un petit peu. En 8e mesure, j'ai un full bend en 10e case corde demi-aiguë sur le et du 1. 1, 2. Au deuxième temps de cette dernière mesure de solo, je rencontre l'empreinte double croche 1, 2, 3, qui commence par le pull-off 18 sur la corde demi-aiguë. Ok, arrivé, donc troisième double, qui en réalité est une croche, en 10 cordes de si. Ok, alors c'est surtout l'enchaînement avec le premier temps qu'il faut voir. Ça nous faisait ça. Attention. 1, et. Voilà, ça c'est un petit peu dur quand on n'a pas encore la technique. 1, et, 1, 2, 3. 1, et, 1, 2, 3. Quand on arrive ici, on passe par la 8, donc sur le début du troisième temps. Donc ça, c'est bien la 8e case corde de si. Et ce troisième temps joue la figure double croche 1, 3, 4. Donc la double croche du troisième temps qui est sur le temps correspond bien à la 8 corde de si. 3, 4 serait un pull-off 9, 7 sur la corde de sol. Ok. Et là, on va rejoindre le dernier temps. Hein, on va faire glisser. Donc par le slide, on va rejoindre la 5e case corde de sol pour avoir ce 4e temps. Toute la dernière mesure donne ça. Allez, petit récap du solo a cappella, parce que je sais que vous aimez bien ça. On est parti, et on a fini ce double tuto. C'est parti. 1, 2, 3. Alors, on arrive à la fin de ce tuto. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère, mais je crois savoir que vous êtes quand même quelques-uns à lorgner un petit peu sur les parties basses. Donc vraiment, j'espère que ça va vous intéresser et que vous aurez envie carrément de vous prendre au jeu et de travailler sur le deuxième backing track, vraiment celui où il n'y a même pas la basse, ok ? Pour tout refaire à la maison, quoi. Basse et les deux parties guitare. Voilà. Merci à tous pour votre attention. À vendredi prochain. Take
got me rung up in bed. You took advantage of the one who showed you love. So